Juste, je vais vous dire qu'en quoi nous venons de déposer notre candidature et nous sommes confiants sur notre binôme et sur l'avenir économique de notre pays. Nous avons un binôme qui est complémentaire du fait que nous avons l'industrie et tout ce qui est service. Nous avons reçu le soutien de beaucoup de régions, ça veut dire les 12 régions du Maroc nous ont donné leur soutien. Nous avons le soutien des fédérations et nous avons, ce qui nous fait plaisir, c'est que nous avons 70% de nos soutiens sont des PME-PMI. Et ça, ça nous fait énormément plaisir. Nous avons comme ambition de faire de la CGM une entreprise citoyenne, une entreprise unie et une entreprise forte pour défendre les intérêts de toutes nos entreprises. Les chantiers prioritaires, on le dira quand on présentera nos programmes. Il y a beaucoup de chantiers. Notre économie a besoin de beaucoup de confiance, beaucoup de maturité et beaucoup de pragmatisme. Et nous espérons donner tout ça dans notre 3 ans de mandat, Inch'Allah. Ça, c'est des sujets complètement différents. Ce n'est pas d'actualité. C'était dans un contexte qui est toujours d'actualité par rapport à ça. L'entreprise, elle a une vie. Elle vit et elle disparaît. Donc, il faut accepter la vie. Il faut accepter aussi la disparition. Le contexte est complètement... Donc vous n'êtes pas contre les petites PME, pour les PME, les toutes petites entreprises? Mais non, au contraire, c'est le socle de l'économie, donc c'est eux qu'on doit... Nous avons une confiance très forte dans notre économie. Si nous y allons ensemble et si nous y allons aujourd'hui, nous pouvons, dans le cas où nous sommes choisis par nos pairs, nous pouvons apporter une réelle valeur ajoutée, désintéressée et citoyenne à cette confédération qui est si importante pour notre pays et pour notre économie. Donc nous le faisons vraiment par conviction, nous le faisons parce que nous sommes dans un moment crucial de notre économie où Sa Majesté le Roi a envoyé des messages forts et a interpellé de manière très forte le secteur privé sur le modèle de développement économique, sur la régionalisation, sur le soutien aux PME, et tout ça, c'est des messages sur lesquels que nous ne pouvons pas... c'est la raison pour laquelle, compte tenu de la complémentarité que nous avons, nous voulons donner de notre temps. Chaque mandat a eu ses plus et ses moins. Ce que nous voulons apporter nous voulons apporter de la confiance et nous voulons vraiment apporter du temps pour les PME. Après, le programme, nous allons le décliner par la suite, si jamais nous sommes retenus par nos pairs. Mais ça sera peut-être, si le Conseil nous valide, à partir de mardi, Inch'Allah.